Moi, chante moi? Non, 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 c'est mort. Là, là, je veux tout, mais chanter moi, c'est chaud. Là, c'est chaud. Vraiment. J'adore cet artiste, cet artiste. J'ai du mal avec Laylo. Hein. Sur des projets, il est bon, et sur d'autres projets, son style, il est très, très, très différent, quoi. Enfin, je sais pas. En gros, il ramène quelque chose de vraiment nouveau, en vrai. Très, très différent des autres. Meilleur clip de tous les temps. Quand je vais dire ça, les gens vont un peu s'énerver, mais quand j'ai un clip en tête, c'est Dans la ville de DTF. Dans la ville, je suis gang, dans la ville, je suis gang, dans la ville, je suis gang. Il m'a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de gens qui diront ODD, etc. Mais moi, DTF dans la ville avec NOS, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment kiffer. Même le son, il est ouf. C'est le meilleur groupe ever, non. Je pense à Casseur Flotteur, notamment, quand je vois ce même là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Moi, j'ai du mal un peu avec leur style, quoi. Nouveau album, ancien album, Booba. Booba fort. Oh, Booba fort. J'aime bien ces nouveaux trucs et tout, mais vraiment, à l'époque de Lunatic, etc., franchement, c'était quelque chose, Booba. Vraiment. Tu sais qu'en disant ça, là, je me fais un peu du mal, parce que c'est quelqu'un que je connais un petit peu, Booba, personnellement, tu vois. Et du coup, je dis ça, bon, tant pis, hein, mais j'assume. Même lui, il le sait, tu vois. Même lui, il le sait que c'est un nouveau truc, etc., c'est pas ouf et tout, donc... Allez, wow, là on sait tous que je vais sortir PNL quoi. Ils sortent des projets et ils disparaissent. Franchement, je suis pas d'accord. PNL là, faut que vous reveniez là. Là c'est trop. Ça fait un moment là. Alors une nouvelle musique. Ok, la musique que j'écoute un peu. De... Ok, ça c'est encore PNL. Ça c'est Bambina ça. Bambina ça me parle beaucoup. Ouais, ça fait même plus de 6 mois que je suis là en train de l'écouter quoi. Ouais non, vraiment je reviens tout le temps sur Bambina. Le prochain concert annoncé après le déconfinement. Oh, tu sais qu'honnêtement, j'ai jamais fait concert de ma vie. À votre avis, ce serait avec qui? Avec les deux frères. Nocea Demo, PNL, bien évidemment. Je suis pas original quand je dis ça, là. Les mêmes réponses depuis tout à l'heure. J'essaie de dormir. Alors, il y a une musique en ce moment, je sais pas si c'est une musique, c'est un truc qui passe sur Twitter. C'est quelqu'un, quelqu'un qui se filme et qui dit merci aux clients fidèles. Merci aux clients fidèles. Et merci aux clients fidèles. Tout le monde fait que de spammer ça en ce moment sur Twitter, j'ai ça dans ma tête, c'est chiant. Ah, c'est même pas une musique, c'est un mème. En plus, il y a tout Twitter qui alimente et tout. Franchement, moi je passe beaucoup de temps sur Twitter, c'est terrible. Ton pote qui veut mettre de la musique en soirée, toi et tes goûts musicaux. J'ai quelqu'un d'ailleurs dédicace à lui. Et je veux dire, devant toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, je m'en fiche. Zeish, arrête de vouloir écouter du Weshden, ça me saoule. Ah, j'ai direct pensé à lui, franchement, ça, il est fou. Je pense que c'est son fan numéro 1. Quel genre de musique que je pourrais jamais écouter? Le classique, le jazz, le hard rock, la techno. Là, la chose qui me vient directement en tête, c'est le hard rock. Ouais, le classique. Moi, ça me dérange pas d'écouter. En vrai, j'écoute un peu tout. Le jazz, pareil, je trouve ça même bien le jazz. La techno, j'ai eu la phase où il y avait le dubstep et tout qui était beaucoup écouté. Une phase un petit peu EDM, etc. J'avais, je crois, 12-13 ans. Mais le hard rock, j'ai pas de souvenir de ça et trop violent pour moi, en vrai. Sauf que tu aimes, mais qui te fout là. Oh là là. Alors j'ai un son que j'écoute en ce moment. Je sais pas si on peut considérer comme ça comme un son. Dans ma playlist, j'ai l'opening de Sword Art Online saison 1. Je sais pas, moi tu me regardes, tu dis pas que j'écoute ça quand je suis en train de sortir au quartier, dire bonjour à mes collègues. Ou... C'est pas que j'ai la honte, c'est que je suis pas dans mon élément. Mais en vrai, Sword Art Online est incroyable.